Commence par un petit cappuccino. Non mais serre-toi, hein, pas de soucis. Asma, ça va? Salam alaikum tout le monde, salam à Tadi. Bonjour, il est 9h20. On va au Méridien prendre le petit déjeuner. 9h20, c'est déjà assez tard là. Je ne sais pas si on va pouvoir entrer. Mais on va voir, on verra bien. Sinon, on va faire un petit tour dans le centre commercial et ensuite, je pense qu'on ira faire un tour dans deux mosquées de Putrajaya. Bon, je filme avec mon téléphone, ça va pas être terrible, je pense. Mais c'est pas grave, c'est juste histoire de montrer un petit peu. Donc, les 9h30, c'est jusqu'à 10h30. Donc, il nous reste une heure pour profiter du petit déjeuner. C'est un buffet. Et on va voir ça, on va découvrir ensemble. On commence par un petit cappuccino, tranquille. Ça reste classique, hein. Là, je vais chauffer mon petit pain. Là, c'est tout ce qui est côté indien. Là, ça va être tout ce qui est plus asiatique, nouilles, nasi lemak, etc. Asma nous a ramené une assiette de pancakes de samoussa et roti canai. Ok. Tout ce qui est aussi sushi, là, dès le matin. Je sais pas si certains mangent des sushis dès le matin. On est obligé d'utiliser des gants pour servir. Donc là, c'est tout ce qui est crudité. Il va falloir que j'achète un nouveau téléphone. Hein. Donc le prix, c'est 68 ringgit par adulte de 6h30 à 10h30. Voilà, après il y a aussi les buffets, brunch et le dîner. Voilà, alors le Méridien, ça va. C'est pas ouf non plus. Mais perso, on a trouvé bien mieux que ça. Après, l'avantage, c'est qu'il est dans un grand centre commercial, le IOI Mall. Et pour ceux qui passent ici sur Kuala Lumpur, ça peut être sympathique de passer une journée ici, une demi-journée, ensuite aller aux deux mosquées de Putrajaya qu'on va faire tout à l'heure. Donc le centre commercial ouvre à 10h. Enfin, on peut y être à 9h, 8h sans souci, mais les magasins commencent à ouvrir vers 10h. Donc il est assez grand, hein. Il y a beaucoup de boutiques. Voilà, on va faire quelques petits achats rapides pour Liana, pour les enfants. Donc, il y a toujours une petite zone où tous les magasins pour bébés, pour enfants sont regroupés. Donc ici par exemple, donc, il y a Hokkaidi, il y a Bath and Kids, là on est chez Poney, et là on va au Baby Shop. Alors aujourd'hui je vous présente un magasin que j'aime beaucoup, c'est Baby Shop. Vous avez un large choix de vêtements, d'accessoires, poussettes, biberons, tétines, jouets, enfin il y a tout. Et la qualité est bien vraiment, et niveau prix aussi, c'est pareil, c'est vraiment top. Donc ça c'est bien, c'est des zones pour les mamans. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là il y a trois espaces privés pour les mamans qui veulent allaiter. Voilà, simple et efficace. Généralement, il y a aussi un distributeur d'eau chaude. Voilà, là, je sais pas. Il y a, voilà, hot water pour faire les biberons, etc. Donc là, normalement, c'est réservé aux mamans. Donc, j'ai pas le droit d'être ici. Mais comme il y a personne, je viens apporter soutien à Asma. Asma, ça va? Voilà, donc on est au IOI City Mall. Merci. For mothers only. Nous, les papas, on compte pour du beurre. Ah, mon drone me manque. Il est resté en France, mais on va bientôt le récupérer, Inch'Allah. Et on va pouvoir faire de petites vidéos sympathiques. Peut-être prendre un iPhone 13. C'est tout le iPhone 13 Pro. Tout ce qui est restauration, tout ce qui est fast-food et tout ça, il y a tout ce qu'il faut ici. Donc vous avez même une patinoire ici. On va pas dire c'est courant, mais il y a plusieurs centres commerciaux qui ont... une patinoire également. Bon, il est 13h40. On a décidé de manger ici. Après, il y a tellement de choix qu'on ne sait pas là où manger. Et bien sûr, Asma, c'est pas elle qui va m'aider à choisir là où on va manger. Hein. Bah, je suis pas compliqué, moi, à part KFC. Ouais, moi non plus, hein, mais bon. KFC, McDo, voilà. J'ai fait un... Bon, ben c'est pas validé du tout. Hein. La viande, elle est pas bonne. Les frites, ça va, c'est rien de spécial. Hein. Mon téléphone déconne.
mais bon, de toute façon, il n'y a rien à voir, c'est pas validé. Donc steak check. Steak check, faut oublier. Déjà Tony Roma, je suis pas super fan et ça a l'air d'être le même les mêmes gars. Hein. Même Liana n'a pas validé. Si Liana ne valide pas, c'est qu'il y a un gros problème. On est arrivé sur Putrajaya au niveau de la mosquée. Donc si vous venez ici, c'est mieux de venir en pleine semaine. Hein. Le week-end c'est rempli et si vous venez en semaine, normalement vous devriez pouvoir vous garer ici sans problème. Bon, je filme avec mon téléphone, donc la qualité, comme je l'ai dit, ça va pas être extraordinaire. Mais on reviendra ici, hein. C'est pas très loin de chez nous non plus. Alors n'oubliez pas, venez toujours avec votre tapis de prière et une tenue appropriée, pas de shorts, pas de débardeur, etc. Il y a même de la place face à la mosquée. N'oubliez pas, il y a des zones où vous pouvez garder vos chaussures et là où vous devez retirer vos chaussures, comme partout dans toutes les mosquées. Là, on va prendre ses ablutions. Donc, ce qui est bien, c'est que là, il n'y a personne. Il est 15h. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très grand. Ensuite, vous suivez Pintu Utama, qui veut dire porte principale, entrée principale. Vu qu'il n'y a pas de monde, ça va être plus sympa, plus joli à ce niveau-là. Voilà, vous voyez, la salle des prières principales, on remonte. On se retrouve ici. Voilà, les racks pour déposer les chaussures. Donc à partir d'ici, pieds nus. Pieds nus ou chaussettes, etc. Mais pas avec les chaussures. Temps couvert, on va dire tant mieux parce que ça évite d'avoir la chaleur et de transpirer, comme je le dis souvent. Après, c'est moins joli en photo, en vidéo, c'est pas grave. Donc, les lakis, hein, n'oubliez pas, ça veut dire homme. Donc, les lakis pour homme, perrin de pointe pour femme. En rénovation, on va pas pouvoir entrer. Voilà, vous avez pu voir, la mosquée est en rénovation, donc du coup j'ai pas pu entrer à l'intérieur. Ça sera pour une prochaine fois, Inch'Allah, avec une meilleure caméra. Vous avez eu un aperçu de la mosquée. Voilà, je ferai une autre vidéo sur les autres mosquées de Kuala Lumpur. Je vais en faire, je pense, peut-être une petite sélection des mosquées à voir ici sur Kuala Lumpur et sur Selangor. En tout cas, il y en a pas mal. Je pense qu'il y en a une dizaine au moins à visiter au moins une fois. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Puis, on va essayer de faire ça, Inch'Allah. Allez, let's go maintenant. Je pense qu'on va peut-être rentrer. Ou peut-être voir une autre mosquée. Il y a une autre mosquée intéressante ici, à 5-10 minutes. On va voir. Donc là, on est au Iron Mosque. Donc, c'est à même pas 5 minutes de la mosquée de Putrajaya. Donc, c'est à faire aussi. C'est vraiment à côté. Je vous montre un petit peu rapidement. Je vais essayer de rentrer, si j'ai assez de temps. Et voilà, c'est très joli. L'extérieur. On va maintenant entrer à l'intérieur de la mosquée si je trouve la porte d'accès. Parce qu'ils ont fermé pas mal de portes à cause du Covid. Les lakis, n'oublie pas, homme, Wanita, femme. Soit c'est Wanita, soit perrin de pointe. On arrive à la fin de cette vidéo imprévue et pas dans les meilleures conditions. On voulait tout de même vous partager quelques moments de cette journée. Ça pourrait éventuellement donner des idées si vous cherchez quelques activités autour de Kuala Lumpur. Ici, on a pris un bon petit déjeuner, un peu de shopping dans le mall
Ensuite, déjeuner à nouveau et visiter les deux mosquées. Depuis qu'on a deux enfants, on préfère prendre notre temps et il y a toujours des imprévus avec les enfants. On vous laisse avec l'appel à la prière de cette dernière mosquée. On espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. No.